Nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair. Nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Je parle au nom de tous ceux qui ont mal, mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désactivé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de tel des plus anciens. D'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples d'antis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. L'une n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Que notre parole s'élargisse
ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. À quel point s'est élargi le fossé entre ceux qui l'ont dit et ceux qui n'assurent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. L'île imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vague. Whoa!